Donc, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Voici un business que tout le monde pourrait le faire chez lui à la maison et gagner de l'argent. Et voici, ma balance est à 65$ et paiement en attente 325$. Faut dire que j'ai commencé avec 0$ comme tout le monde. Donc, c'est un business en ligne qui apporte que vous pourrez le faire chez vous à la maison. Il s'agit pour vous de proposer des produits, des services à des personnes. Les utilisateurs d'internet et gagner de l'argent. Vous pouvez voir le 1er avril, je vais toucher les 206$. Le 1er juin, donc là, vous pouvez voir ici, will pay on first April. Ça veut dire le 1er avril, ce sont les revenus de décembre 2022. Ici, et le 1er avril, on me fait le dépôt contre l'affiliation. Donc, c'est super simple. Stratégique. Donc, mais avant ça, je vais vous présenter. Comment marche cette stratégie là? Comment fonctionne marketing d'affiliation? Donc, je vais vous présenter une description détaillée. Ça, et ensuite, je vais vous montrer quelques sites qui permettent de toucher de l'argent comme je l'ai fait. Vous montrer que c'est pas la nage. Je vais actualiser la date ici. This year, là, vous voir en début d'année qui m'a rapporté 65. Là, ici, 65$. Payout 65. D'abord, qu'est-ce qu'il faut? Il vous faut évaluer un besoin. Besoin. Le besoin, c'est sûr. Donc, le besoin sur lequel on doit s'attarder, satisfaire les entreprises, avoir des domaines. Si on a une entreprise ici, l'entreprise ici veut un nom de domaine. Elle veut un nom de domaine et aussi des espaces d'hébergement ou les sites internet.com. Ensuite, on a évalué le besoin. Donc, comment trouver la solution? Pour trouver la solution, c'est simple. Il faut déjà trouver l'entrée, les bonnes entreprises qui proposent de faire des espaces d'hébergement aux clients. Donc là, on se tourne vers les entreprises spécialisées ici. Par exemple, Hostgator. Il y en a Hostgator, il y a Hostinger, ainsi de suite. Donc, eux, ils ont des produits. Produits là, ce sont ces produits là qu'on souhaite commercialiser. Les produits, je vais les mettre en haut. Les produits là, je vais les commercialiser. Sans ceux là, c'est donc ces produits là sont souhaite les commercialiser. Il y a des commissions là-dessus. Non, vous. Vous êtes personne à suivre. Là, faites ici, faites là. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous, quand vous avez connaissance du business, c'est-à-dire cette entreprise qui propose des services, des salles d'hébergement, et vous savez également, en plus de ça, qu'ils ont des packages, de commissions, ils proposent des commissions. Ils vont jusqu'à 75$. 65$ chaque espace pique. On a une entreprise qui a de l'argent, des services à une autre entreprise bien particulier qui a besoin de ces problèmes. Vous êtes à la recherche de commissions. Les commissions sont sur là. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous venez, vous voyez l'entreprise ici, vous créez vos comptes, vos espaces d'hébergement. Ensuite, cette entreprise là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vous donner des liens d'affiliation. Il y a des commissions. Ensuite, vous prenez ces liens là, vous les proposez à ces entreprises, mais ce particulier là, toujours avec vos liens d'affiliation, l'entreprise vous fait confiance, donne de l'argent, puis l'argent là, vous venez sur la plateforme, vous achetez et vous avez des commissions avec votre lien d'argent. Où, la plateforme est directement ici d'achat, vous avez votre commission. C'est simple, ça qui fonctionne là, de façon à votre client vous voit direct pour le pas directement sur la plateforme. Toujours un éthique, un tracking qui est fait avec votre lien d'affaires. C'est un site qui propose de faire des hébergements. Donc, vous pourrez proposer, comme on a vu dans le schéma, à votre client.
La partie qui nous intéresse, c'est la partie commission. Dans la partie commission, vous la trouvez juste en bas ici, commission, begin, begin, affiliate. Donc là, je viens ici et regardez ce qui est dit. Pour chaque personne affiliée, c'est-à-dire là, des personnes trouvées sur 5$ pour chaque enregistrement. Quand vous êtes dans la marge de 6 à 10, 75$. Quand vous avez plus de 21 affiliés, le 22e, vous avez 125$ pour chaque personne qui est affiliée à la plateforme. Voilà, donc c'est super simple. Donc vous faites join now. Donc la plateforme c'est Impact. Donc c'est une plateforme de marketing d'affiliation où plusieurs entreprises viennent s'héberger à la recherche de personnes qu'on veut pour faire la promotion de leurs produits. Donc sur Impact, vous avez plusieurs types de trucs. De produits à promouvoir, donc topic include influencer marketing, affiliate partner, commerce, content, import. Donc là vous avez la possibilité de vous enregistrer avec vos réseaux sociaux. Si vous voulez pas, vous pouvez prendre pas. Donc vous enregistrez voilà, en fonction de votre pays. Voilà, donc vous enregistrez. Pour ceux qui voient pas les pays, vous pouvez voir vos pays voisins. Vous êtes sûr que vous aurez l'indicatif du pays avec un numéro standard. Je pense qu'il y a tous les pays enregistrés. Vous connecter, vous aurez accès à votre tableau de bord lorsque ils auront validé votre compte. Et là, vous pourrez toucher votre de l'argent. Donc là, les paiements se font sur PayPal. Donc là, ici, complète à banque, à compte setting. Si vous pouvez voir les paiements, vous pouvez avoir les virements bancaires là et directement sur vos comptes. Vous regardez votre pays ici directement sur votre compte. On envoie un ETF, EFT. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent utiliser PayPal, il y a la possibilité d'utiliser PayPal. Le numéro c'est 10, 50, 100, 250, 750 pour les paiements. Voilà. Et puis, vous faites enregistrer. Ils vont donner votre adresse email PayPal ici. Puis, vous avez les virements bancaires, vous sélectionnez cette option. Donc, c'est pour dire c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas d'excuse à se faire. Donc, comment faire la promotion du produit? C'est simple. Une fois vous êtes sur votre tableau de bord et que votre compte est validé, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez là, le seul produit que j'ai c'est Hostgator. S'il y avait d'autres sites, peut-être Hosting, peut-être Java et autres, vous allez me demander d'écrire ici. Vous voyez là, donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend Hostgator ici. Là, je copie ce lien là. Voilà, je crée mon lien avec le lien d'affiliation Hostgator. Facebook, à la recherche de trucs d'entreprise, mais la façon la plus simple et plus basique c'est de venir sur Google Maps ici, chercher les entreprises, cibler les entreprises. On va cibler les entreprises de vente de vêtements. Voilà, c'est un marché qui est très 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 ouvert. Voilà, qui est très ouvert. Donc on regarde ici ceux qui ont des boutiques de vêtements, peut-être n'ont pas de site. Voilà, des sites internet, appelle les grosses entreprises également. Voilà. Il n'y a pas de site internet, il n'y a pas de site internet et il y a des contacts. Voilà, donc c'est ces contacts là pour créer un catalogue contacts. Voici votre lien d'affiliation tout en haut qu'on a copié tout à l'heure. Voilà, celui là qu'on va promouvoir, envoyer à ces personnes là pour pouvoir suivre. Donc je copie ce lien là, première entreprise et le contact. Encore, donc ici c'est Safi boutique. Je vous appelle des entreprises de vêtements, ingérie, des pressing et autres. Ainsi là, regarde encore, ils n'ont pas de site. Donc, je copie ici aussi. Big Farm, faut prendre ce lien là maintenant, c'est à dire et le promouvoir. On parle de promouvoir, vous avez ici. Et puis Google Maps ici, c'est-à-dire celui-là on l'a copié, c'est généré automatiquement. Vous prenez ce lien là ici, vous créez un autre lien. Voilà, c'est à vous de voir quoi vous créez. Vous pouvez créer d'autres liens ainsi de suite ici. Voilà. Et vous faites la promotion de ces produits là. Soit si vous avez des adresses, mais vous envoyez à ces boutiques là, ou bien vous les envoyez directement sur WhatsApp. Bonjour madame, je souviens pas sur mes ça vous présenter mes produits, mes services en termes de développement internet, de site internet. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire au site internet? Donc qu'est-ce qu'il va demander? Ah, ça tombe bien, je suis intéressé, mais j'ai peut-être des développeurs. Vous pouvez m'envoyer un lien pour voir. Et un domaine quoi.
ou leur envoyer le lien. Voilà, donc ça, je vais nous donner des vrais propos dans des formations avancées qu'on verra en présentiel. Donc, c'était ce que je voulais présenter. Merci d'avoir suivi la vidéo pour la prochaine vidéo et à ciao. Abonne-toi.